Oui, Madame la Présidente, chers collègues, un nouveau spectacle de la Compagnie Royale de Luxe est un moment attendu par les Nantais et bien au-delà. Cette compagnie de théâtre de rue, basée à Nantes depuis plus de 30 ans et qui rayonne dans le monde entier, fait la fierté de nos habitantes et habitants. Chaque traversée de nos rues par les marionnettes géantes de Royale de Luxe constitue un événement unique, un événement dont se souviendra longtemps. Le travail de la compagnie a démontré par le passé à quel point il représentait une forme de culture populaire, où l'humour le dispute à l'émotion avec une créativité toujours renouvelée. Un nouveau spectacle de Royale de Luxe, c'est un nouveau rendez-vous des populations de la métropole avec l'art de la création et la création. Plus particulièrement, le groupe communiste salue le coup de projecteur pour le quartier du Grand Bellevue. Le nouveau spectacle poursuit le travail effectué dans ce quartier populaire depuis plusieurs années, notamment avec les écoles. Cela montre une volonté d'agir et de s'inscrire sur le long terme en direction de toutes et tous. Enfin, cette nouvelle réalisation, en augmentant avec Bulle Machin, la troupe de la grand-mère, du chien El Solo, excusez-moi, le scaphandrier et de tous les autres géants, va contribuer à la notoriété de notre territoire, une notoriété fondée sur l'imaginaire qui, de Jules Verne aux machines, en passant par le surréalisme, n'a de cesse de se réinventer. Je vous remercie.